Bonjour à tous, bienvenue sur Motors TV, bienvenue sur le circuit Paul Ricard. C'est déjà le troisième rendez-vous V2V de l'année, un rendez-vous qui s'annonce très animé. Tout à l'heure, nous nous intéresserons au Proto, une course de 6 heures. Il y aura également une grosse partie de cette émission consacrée aux 3 heures en GT. Mais d'abord, s'il vous plaît, coup de projecteur sur les VHC, les monoplaces et les Fognos. Trois hommes à retenir dans ce meeting. On débute par Arlan Boulin sur cette voiture orange numéro 39. Il compte 2 années d'expérience en Fognos. Son parcours dans la discipline est limpide. Il découvre la voiture en 2011, ensuite il finit 12e du Challenge en 2012 et 8e en 2013. Son ascension est très nette puisque ce week-end, il est monté à 2 reprises sur le podium avec 2 troisièmes places. Impossible de dissocier les deux pilotes que voici, Jean Collet et Serge Herriot. Tout le week-end, ils se sont passés et repassés, ils ne se sont jamais trop éloignés l'un de l'autre. Le résultat est surprenant, 3 courses, 3 victoires pour Collet et 3 médailles d'argent pour Herriot. C'est clairement un virage dans l'histoire du championnat Fognos. Serge Herriot est le champion en titre, Jean Collet de son côté a les capacités pour lui ravir sa couronne. Serge et Jean, Jean et Serge, 2 styles, 2 générations, 2 personnalités, mais avec un point commun qui symbolise la Fognos et le V2V tout entier, c'est la sympathie. Quand vous les réunissez à la sortie des voitures, à l'issue de la 3e et dernière course, la rencontre est savoureuse. Oh. Serge, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean ? Il est trop vite pour moi. J'essaie de trouver les failles. J'ai encore du travail. Jean, même question. Qu'avez-vous envie de dire à Serge ? Qu'il ne change rien, en fait. Qu'il en reste là le plus longtemps possible. Et puis, on verra bien de toute façon au fur et à mesure de la saison. Il y aura des circuits, il sera peut-être un peu mieux, un peu moins. Bon, il y a Motorland qui arrive, ma maison. Donc, prochaine course, c'est Dijon, Manicourt. On verra bien comment ça évolue. Mais pour le moment, j'ai le dessus, sur cette piste en tout cas, et je suis très satisfait de mon week-end. Les 2 tours d'horloge, ici, au Paul Ricard. Ce sera l'événement du début du mois de septembre. 3 mois avant le rendez-vous, cette course de VHC, c'était logiquement la grande répétition générale. On a pu y admirer cette Elva MK8, moteur arrière, piloté par Marc Alouen Bessande. C'est une voiture rare puisqu'elle n'a été construite qu'à 45 exemplaires. C'est une bête de course recherchée, un bijou qui vous ramène en 1965. C'est l'écurie Mécamoteur qui veille sur cette jeune grand-mère parfois capricieuse. On a eu un petit souci électrique. Enfin, déjà au démarrage, on n'avait pas d'embrayage. Donc un peu compliqué de démarrer. Et ensuite, on a eu un problème électrique. Donc il a arrêté une dizaine de minutes. Bon, dommage. Mais après, elle a bien marché. Un peu de problème de boîte, mais tout allait bien. Tout allait bien. Une ligne qui ne laisse pas indifférent à présent, celle de la Lola T598. Il s'agit du proto le mieux classé ce week-end au Paul Ricard. Les spécialistes le savent, c'est une voiture très rare elle aussi. À peine 52 unités ont été produites sous le capot de la monocoque Alu, un moteur 2 litres. La boîte, c'est une 4 vitesses. Très logiquement, cette voiture fait partie de la catégorie S2000, une catégorie qui sera largement représentée aux 2 tours d'horloge de septembre. Dernière voiture à vous présenter, cette Porsche qui a d'ailleurs remporté la catégorie GT. Elle est pilotée par Bernard Moreau. Bernard et son inusable 911 3 litres RSR seront aussi au rendez-vous des 2 tours d'horloge. La voiture développe 315 chevaux pour 900 kg, un très joli rapport poids-puissance qui, une nouvelle fois, a régalé les spectateurs et le pilote. On s'est tiré une bourre d'enfer avec l'Elva. Après l'Elva, ça a été avec mon copain Ottinger. Finalement, non, ça a été un sprint, ça a été très sympa. Et comment va votre vieille amie, votre vieille Porsche ? Eh bien, elle va toujours aussi bien. Elle fait un peu plus de bruit quand on arrive, au bout de 2 heures, comme ça, il y a des bruits un peu bizarres. Bon, on va y regarder, mais elle est formidable, quoi. Il y a la fiabilité, il y a le plaisir, c'est une voiture fabuleuse. Les courses historiques, c'est du plaisir pendant et après la course. Le débriefing avec les copains, c'est au moins aussi important que le roulage en lui-même. Pour partager leur passion côté piste et côté paddock, rendez-vous au Paul Ricard du 5 au 7 septembre pour les 2 tours d'horloge VHC. Du côté
côté des monoplaces, coup de projecteur tout d'abord sur Jordan Perrois. Après les deux premiers rendez-vous de l'année, Jordan est deuxième au championnat avec seulement un point de retard sur le leader Borga. Ses résultats au Paul Ricard sont excellents puisqu'il est monté à 3 reprises sur la 2e marche du podium. Perrois est un modèle de régularité et c'est une qualité essentielle en sport automobile. Réaction à chaud à l'arrivée de la 2e course. Le plus important c'est marquer des points, c'est ce qu'il faut. Il faut continuer maintenant sur notre lancée. On est bien parti pour et on va tout faire pour garder notre cap. Vous avez fait des chronos incroyables dans la 2e moitié de la course. Il y avait une vraie lutte avec Daniele Casaniga, mais voilà, il y avait quand même 4 secondes. Bah, c'est sûr, parce que bon, au départ, je partais un petit peu loin et je pensais avoir fermé un peu la porte au niveau d'Antonin. Et bon, j'ai vu qu'il a voulu dépasser, donc j'ai essayé de faire pour éviter l'accrochage. Et puis sinon, ça s'est bien passé. Après, hein, j'étais patient. Voilà, et puis j'ai fait une belle course. J'ai fait une belle course et je suis content. Puis on va encore travailler ça pour essayer de revenir un peu sur le leader. Parce qu'on manque encore un petit peu. Mais déjà, on a bien progressé. C'est déjà essentiel. Au championnat, 9 points derrière Jordan Perrois, on trouve Daniele Casaniga. Le team italien GSK mise beaucoup sur lui et voit dans ce championnat V2V un redoutable camp d'entraînement pour le préparer à d'autres formules monoplaces. Casaniga est très entouré. Depuis ce week-end, la confiance est là, à 100%, avec 3 victoires en 3 courses disputées. À l'issue de la 2e, il avait déjà toutes les raisons d'être heureux. Je suis très heureux, c'est la 2e victoire de ce week-end. C'est mieux pour le championnat, parce que moi, Perrois et Borga, on est très proches au classement. Place au GT à présent, Patrice et Paul Lafargue sont en tête du championnat. Vont-ils pouvoir maintenir cette position? L'année 2013 ne leur a pas souri. 2014, en revanche, se passe très très bien pour eux. Du côté des GTV2, c'est la grosse lutte entre les Porsche et les Audi. Comment se sont passées ces 3 heures GT ici au Paul Ricard? Voici la réponse. Au départ, c'est la Ginetta ayant réalisé la pole qui prend le meilleur envol. À son volant, c'est Mike Simpson, le pilote essayeur de la marque. Derrière lui, Patrice Lafargue maintient la 2e position. La Ferrari Visium conserve elle aussi sa 3e place acquise aux essais. Après un tour, la 007 de Blasco, Dupuis et Ancel pointe à la 4e place. C'est Frédéric Ancel qui a pris le départ. Il a gagné 2 places dans la première boucle. La magnifique Ginetta orange creuse un écart considérable. Après 15 minutes de course, elle compte une avance de 12 secondes sur le reste du peloton. C'est maintenant la Ferrari de Pagny-Perrier-Beauvais qui est 2e, suivie par la 007, décidément très en forme. Dans la première demi-heure de course, la Porsche suisse numéro 267 fait une percée remarquée dans le top 5. Ce sont les Lafargue père et fils qui ont regardé passer tout ce petit monde puisqu'on retrouve leur Porsche Ruffier à la 5e place. A noter dans ce tout début de course la percée de la Ferrari numéro 8. C'est une voiture de la catégorie GT3, elle mène sa classe et est 8e au général. Le premier coup de tonnerre de la course, c'est l'abandon de la voiture de tête. La Ginetta a été éblouissante dans les 50 premières minutes, mais c'est malheureusement terminé pour le duo britannique. Tomlinson et Simpson sont victimes d'une fuite d'essence. Au premier tiers de l'épreuve, ce sont les premiers ravitaillements. Paul Lafargue s'apprête à relayer son père. Super début de course. Il assure, il fait un très beau relais régulier. Voilà, il n'y a plus qu'à prendre derrière. On s'éclate, voilà. Une saison 2014 qui se passe beaucoup mieux que celle de 2013. Ah, ça n'a strictement rien à voir. On a la fiabilité. Maintenant, on n'a plus qu'à concrétiser en course, pas faire de conneries, être propre. Et on prend tout ce qu'il y a à prendre et on fera le bilan à la fin de l'année pour voir comment ça se passe. En GTV2, belle prestation de Eric Van de Wever. Il ramène la Mosler numéro 11 à la 2e place de la catégorie. C'est Emmanuel Ferreira qui prend son relais. Malheureusement, il n'y a fait que je joue avec les réglages d'ABS, de track control, pour essayer de trouver le bon équilibre pour que la voiture aille bien. Je crois que là, pour Manu, ça va être bien parce que les derniers tours que j'ai faits, c'était pas trop mal. J'avoue que j'étais un peu épuisé parce que arriver dans un virage et pas savoir si ça a freiné ou pas, c'est pas évident. Le point sur le classement à la mi-course. 5e position pour Mouet et Logé sur la Porsche Nourri Compétition. 4e, une autre 911 GT3R, celle de Ancel, Blasco et Dupuis. À la 3e place, encore une Porsche, Terraille, Von Burg et Schmalz.
Deuxième position pour les Lafargue père et fils. Et les leaders, ce sont les malchanceux de Barcelone, Pagny, Perrier et Bouvet. C'est pas un circuit que j'affectionne particulièrement, mais bon, j'ai essayé de sauver les meubles, comme on dit. Donc j'ai gardé un rythme. Après, au fil des dépassements, évidemment, les temps s'allongent un peu. Enfin bon, voilà, l'auto, pour l'instant, elle est préservée. Et Jean-Bernard, maintenant, va faire son travail, c'est-à-dire un travail d'élite. Zoom sur deux hommes qui ont affolé les chronos sur ces 3 heures GT. Tout d'abord, Andrea Mantermini sur cette Ferrari numéro 60. Mantermini, 16 Grands Prix de Formule 1 disputés, fait remonter la 458 GT3 dans le classement. Le pilote italien, déchaîné, il bat record du tour sur record du tour. Un autre pilote impressionnant, une nouvelle fois, c'est David Loger. Lui aussi est éblouissant d'efficacité. Il ramène la voiture au stand à la 3e place. C'est aussi la qualité d'un pilote de mon calibre, c'est-à-dire pas professionnel mais plus de gentleman, d'essayer de faire des relais le plus propre possible avec des temps très réguliers. C'est ce qu'on demande à des pilotes qui font des 24 heures, donc c'est ce que j'essaye de faire. Terrible déception à nouveau dans le clan Visium. À 15 minutes de la fin, la Ferrari, qui avait été si fiable la saison dernière, casse une nouvelle fois. C'est la boîte de vitesse qui a lâché. À ce moment de la course, Jean-Bernard Bouvet inscrivait la voiture à la 2e place du classement général. En catégorie GTV2, la Mosler espagnole était en tête. Ce week-end, Campos roulait avec De Martin. C'est De Martin, le gentleman driver, qui devait terminer la course, mais il a été victime d'un incident en piste. Nous avons eu un petit accident dans le tour précédent. Une voiture l'a touché lors du freinage. Là, nous sommes en train de réparer l'arrière au niveau de l'impact. Comment était la course depuis le début? Ça se passait bien. Alberto a fait un très bon boulot sur le premier relais. Après, je suis resté un peu plus d'une heure dans la voiture. Nous étions en première position de notre classe, mais juste après ce changement de pilote, il y a eu cet accident. Le team fait de son mieux pour réparer. Le résultat final de ces 3 heures du Paul Ricard, le voici. Victoire en GTV2 et 7e au général pour Martinet, Pereira et Tremblay. Premier en GTV3 et classé 6e au général, Spirgui et Nicolaïdis. 5e, la Porsche 007. 4e place pour la 44 de Mouet et Loger. 3e, encore une Porsche, la 267. 2e place pour Cordoni, Zanutini et Montermini. Et la 2e victoire consécutive pour Paul et Patrice Lafargue, ce qui a d'ailleurs submergé d'émotion le propriétaire du team Jean-Claude Ruffier. Parce que déjà, premièrement, on a failli pas arriver là. Gros problème moteur depuis au moins 5 tours, un peu au ralenti. Donc voilà, on porte un peu son nom sur la voiture. Donc c'est quelque chose d'important quand même, Jean-Claude. Andrea Monterminé, un homme heureux, 2e de cette épreuve V2V. Andrea, how you feel? C'est très bon, c'était très bon. Et la voiture, c'était marché toujours fantastique. Mon équipier, il a roulé bien. C'était pas facile pour lui, pour tous les deux, parce que c'est la première fois. Et on sait le championnat et tout le pneu, toute la voiture, c'est tout neuf, mais ils sont allés très bien. Alors, moi, je suis très content d'être ici, d'être sur le podium. Au classement championnat, les Lafargue mènent avec 27 points et demi d'avance sur la Porsche Lorient Racing. Mouet et Loger sont 3e, une lointaine 4e place pour le team Visium et sa Ferrari. 5e, Pierre Martinet et Gérard Tremblay sur leur Porsche Almeras. Et voilà pour cette magnifique course de GT. On s'intéresse aux protos à présent. Ils ont gagné au Mans. Eux, ce sont les deux jeunes, Daniel Lou et Piala. Du coup, ils sont en tête du classement général. Mais derrière, on n'a pas l'intention de leur laisser le leadership. Voici le résumé de ces 6 heures proto ici au Paul Ricard. La pluie s'est abattue soudainement et intensément juste avant la course. Du coup, le départ est donné sous safety car. Et lorsqu'il s'efface, ce sont 3 CD Sports qui mènent les débats, avec comme chef de file Gary Finlay sur la 32. Mais très rapidement, le champion en titre, David Zollinger, se joue des conditions difficiles et remonte de la 6e à la 2e place en seulement 2 tours. Sur la première demi-heure de course, le spectacle est assuré par le premier et le deuxième, le Britannique Finlay et le Français Zollinger. Ils sont sur une autre planète et réalisent des chronos exceptionnels. Derrière eux, sur cette voiture noire, un autre surdoué du plateau est très à l'aise dans ces conditions difficiles. C'est Vincent Capillaire, il gagne 6 places en 30 minutes. 5e après une heure de course, Nicolas Béraud sur la voiture qu'il partage avec Jean-Ludovic Foubert et Thomas Akkari. Beaucoup de choses peuvent se passer sous la pluie, comme tout le monde le sait. Le rythme est plutôt élevé, mais on est encore à une bonne dizaine de secondes des temps effectués sur le sec.
Je pense que ce serait pas plus mal d'attendre encore une bonne vingtaine de minutes pour changer de pilote et à mon avis en profiter pour mettre les pneus plus si ça continue comme ça. Et puis pourquoi pas terminer la course sous une pluie battante, ça peut être sympa et je pense qu'il peut se passer pas mal de choses intéressantes. Avec Inès Tétinger, Inès vous êtes en tête pour l'instant, j'ai envie de vous demander comment ça va. Bah ça va super, Gary fait un super boulot. On est parti dans des conditions assez difficiles parce que on a eu une piste gramouillée. En début de course, on est parti en slick pour pas bousiller les pneus parce que de toute façon, ça ne sont que des averses. Pour l'instant, tout va bien. Mon deuxième coéquipier, Kevin, va prendre le relais bientôt et on croise les doigts pour la fin de la course parce que pour l'instant, ça se passe bien. Au premier tiers de la course et à la faveur des ravitaillements, on retrouve les mêmes acteurs qui s'échangent régulièrement leur position. Après exactement 120 minutes, le top 5 est le suivant. La 32 de Inès Tétinger, Gary Findlay et Kevin Boll-Besançon à la première place. La 1 de Mondolo, Zolinger, Dagono, 2e. 3e place pour la Norma de Capillaire, Cavaillès, Gélin. 4e, Douailly, Faure et Kirchdorfer. Et à la 5e place, Akari, Foubert et Béron. Sous safety car, l'équipe Palmyre se la joue stratège en faisant passer ses deux voitures par la voie des stands. Pourquoi ? Parce que d'ici la fin de la course, chaque voiture aura dû y faire au minimum 6 passages. À la moitié de l'épreuve, l'homme en forme s'appelle Thomas Akari. Il est le pilote le plus rapide dans des conditions de piste toujours délicates. On retrouve désormais la 30 à la 2e position. Au même moment et sur la provisoire 3e marche du podium, on retrouve Mondolo, Dagono et David Zolinger. C'est pas la première fois qu'on vit ce genre de situation. Quand il pleut ici, souvent c'est vraiment beaucoup. Le début de course avec la moitié du circuit juste humide et l'autre moitié sèche en slick, c'était plutôt sympa. Donc c'est vrai qu'avec Gary Findlay, on s'est bien régalé devant. Et ensuite, quand il s'est mis vraiment à tomber très fort, je pense que la direction de course a pris la bonne décision de sortir le safety car parce que là, ça devenait vraiment dangereux. Pendant ce temps, Vincent Capillaire refait parler de lui. L'un des passagers de la pluie de ce plateau V2V a pris la tête de la course au prix de chrono épatant. À 2h de l'arrivée, on retrouve deux vieilles connaissances en tête du classement gentleman, puisqu'il s'agit de Patrice et Paul Lafargue. Au classement général, ils sont 6e et en plus, ils s'amusent beaucoup. Quand on sort, on s'amuse. Quand on entre dans la voiture, on hésite un peu parce que c'était... Il y a une telle pluie, mais une fois qu'on est dedans, on se prend au jeu. Une fois qu'on est bien trempé, qu'il n'y a plus rien à faire, on se prend au jeu, c'est sympa. Malheureusement, l'horligier va connaître des soucis de démarreur. Une mésaventure qui les fait chuter de 10 places en général et leur fait perdre la tête du classement gentleman. Il reste une heure de course et le classement est le suivant. Premier, Capillaire, Cavaillès, Gélin. Derrière eux, Tétinger, Findlay, Boll, Besançon. À la 3e place, Danielou et Piala. 4e, Zolinger, Mondolo et Dagono. 5e, Akari, Foubert et Béron. À 60 minutes du terme, c'est un coup dur pour l'équipage de la 32. Ils étaient toujours en lice pour la victoire quand Inès Tétinger est contrainte, bien malgré elle, de rentrer au stand. On m'a rentré dedans. Il y a une Gino qui m'a coupé et je l'ai pas. En gros, elle m'a coupé quand je réaccélérais. Voilà. Les dégâts, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, le capot avant, c'est le capot avant et tout le côté en fait. Donc là, ils sont en train de réparer, on va voir quand on pourra repartir, on sait pas. Il reste 40 minutes de course, la piste sèche. C'est un moment clé de l'épreuve avec tout d'abord la lutte pour la première place entre Capillaire et Béraud. C'est finalement Béraud sur la 30 qui va prendre le commandement de la course. Ensuite, autre belle bagarre pour la 4e place entre Timothy Buret et Philippe Mondolo. Les deux voitures Palmyre offrent un spectacle exceptionnel et finalement, Buret parvient à se défaire de son aîné. À 15 minutes du terme, William Cavaillès, qui est 2e, ne s'avoue pas vaincu. Il donne tout ce qu'il a pour revenir au contact du leader et alors qu'il est plus proche que jamais, il doit repasser par les stands pour faire un appoint d'essence. Plus de doute, la victoire revient à Béraud, Akari et Foubert. J'ai assuré au maximum, je voulais pas faire d'erreur, c'était vraiment ma priorité. Aucune erreur, pas de surconduite, surpilotage. Et puis c'est bien passé quoi. Et puis je l'ai doublé, c'est des sports ? Bah oui, je vois ça, oui. J'étais pas trop au courant, parce que la radio marchait comme elle pouvait. Mais je vois ça, c'est super. Deuxième place pour les vainqueurs du Mans, Piala et Danielou. Maxime, belle opération au championnat ? Oui, très belle opération et je suis particulièrement content pour cette deuxième place parce que c'est vrai que c'est des conditions très difficiles et
auparavant, c'était des conditions qui ne nous avaient pas toujours réussi. Et aujourd'hui, c'est un grand pas pour notre équipage et je suis vraiment très content. Est-ce que vous avez craint pour votre classement jusqu'au bout? Oui, parce que c'est vrai qu'au départ, Cavaillès était devant avec Capillaire. Donc on savait qu'on perdait la tête du championnat et il a dû rentrer dans les derniers tours. Donc très bon rebondissement pour nous. Sur la troisième marche du podium, Timothée Buret et Christian Vagliogors. Est-ce que vous avez tremblé jusqu'au bout? Ah oui, on a tremblé jusqu'au bout. C'était une course difficile pour nous parce qu'on a eu un petit problème technique qui nous a fait perdre pas mal de temps. On y a toujours cru, et puis on a pris sur nous, on a bien roulé. Timothée a fait quelque chose d'exceptionnel, c'était le premier à partir en slick, et c'était la bonne option, on a pris un petit peu de risque, et voilà, ça a payé à la fin, on a eu un petit peu de chance avec les malheurs de la 8, et on y a cru, et puis voilà, c'est une belle fin. Timothée, racontez-nous votre dernier relais. Bah, pareil, je tremblais, moi dans la voiture, j'étais pareil, je voyais qu'il me panotait, qu'on avait réussi à reprendre la troisième place et après les problèmes qu'on a eu et tout ça, c'était super. Donc voilà, j'ai continué, j'ai rien lâché, je continue à faire des chronos, aligner les chronos. Au championnat, Daniel Upiala conserve le leadership avec 8 points d'avance sur l'équipage de la 8. Troisième place pour Mondolo, Zolinger, Dagono. Quatrième, Christian Vagliogors et Timothée Buret. Cinquième position pour Akari Foubert-Béraud. Terminé pour ce rendez-vous V2V ici sur le circuit Paul Ricard. Dans quelques jours, l'émission sera à voir et à revoir sur notre site internet. Le prochain événement V2V, ce sera à la fin du mois de juin sur le circuit de Dijon-Prenois. D'ici là, portez-vous bien. Salut.